Prophétie sur les États-Unis d'Amérique. Prophecy about the United States of America. L'Esprit de Dieu me transporta aux États-Unis. The Spirit of God transported me to the US pour me montrer comment va se dérouler la chute des États-Unis. To show me how the fall of the USA will unfold. La chute de cette nation puissante. The fall of this mighty nation. Des tigres se préparent pour dévorer l'aigle. Tigers are preparing to devour the eagle. L'aigle sera abattu par une violente tempête. The eagle will fall. It will be cut down by a violent storm. Qui va le jeter par terre et sera aussitôt tabassé par les tigres. Which will throw it to the ground and be beaten by the tigers. J'ai vu une seule limousine de couleur jaune qui faisait partie du cortège de Joe Biden. I saw in the procession of Joe Biden only a yellow limousine. Où étaient passés les autres véhicules du cortège? Where had the other vehicles of the procession gone? Je ne savais pas. I didn't know. La limousine de Joe Biden était en train de chercher où trouver refuge. The yellow limousine was looking for where to find refuge. Tout à coup, cette limousine a disparu sous mes yeux, ne sachant où elle est passée. Suddenly, disappeared before my eyes. La tempête avait commencé. Elle a brisé et emporté presque tout sur son chemin. The storm had started and was waking up, washing away almost everything in its path. Comme des voitures, des maisons, des arbres, des humains, des animaux, etc. Like cars, houses, trees, animals, and so on. I saw such a big ride and deep ravine. C'était dans cette ravine, par de grandes eaux, qu'emportaient tous les dégâts causés par la tempête. All that was swept away by the storm was thrown into this ravine by great waters. J'ai vu une jeune femme haïtienne qui était en train de pleurer amèrement. I saw a young Haitian lady who was crying bitterly, adressant ses angoisses à Dieu. Addressing her anguish to God. Une voix venant du ciel dit à la jeune femme. A voice coming toward the sky said to the young lady. Passe par ici. Pass by here. J'ai regardé de l'autre côté. J'ai vu une vieille maison abattue. I looked on the other side and I saw an old house demolished. Sans mur. Je pourrais même dire une sorte de tunnel qu'on a l'habitude de voir dans les villes de province d'Haïti. Without wall, I could even say an arbor that we are used to seeing in the provincial towns of Haiti. C'était sous cette vieille maison que la jeune femme haïtienne devait prendre refuge. It was under this little house that the young Haitian lady had to take refuge. Il y avait un feu sous cette petite maison pour réchauffer tous ceux qui étaient venus. There was a fire to warm all who had come to take a refuge there. Par la suite, j'ai vu que les États-Unis se riant ressemblaient à un désert. Afterward, I saw that America would be like a desert. C'était jusque-là ce que Dieu m'avait montré sur les États-Unis d'Amérique. That was until God showed me about the USA. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je répète, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je le répète, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Happy is the nation of which the Lord is God. Happy is the nation of which the Lord is God. I repeat, happy is the nation of which the Lord is God.